Nos frérots, Aaron est mort. Tu te fous de ma gueule là? Regarde le journal. Il s'est fait tuer au pistolet. Voilà. Bah le juge là, il s'est occupé de. Il a des ramassages sur lui, mais non. Il s'est occupé d'Aaron. Et c'est pas vrai, c'est une blague. Arrête. Ah, comment ça, c'est une blague? Oh putain. Je crois que c'est marrant. Wesh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bouge plus, ne bougez plus. C'est quoi ça? Ça ne bouge. C'est... Range ton arme. On veut Jameson, c'est tout. Voilà. On veut pas de mal. Jameson, tu montes dans le véhicule, tu te dépêches. Je pense que. Avec mon masque, ça peut. Porter préjudice. Alice. C'est pas possible. Si. Je suis tellement contente de te revoir. Ça me fait extrêmement plaisir. Dis à tes amis. Quand tu leur verras que tu vas bien et s'il te plaît ne nous mentionne pas. Tu devras faire comme si on t'avait kidnappé. C'est chez toi ici. C'est chez nous. En tout cas, je serais content de t'avoir retrouvé. Je comprends. Ok. Ouais. Et ça, c'est ça. On va tout de même vous aider. On a cru comprendre que vous étiez en situation un peu compliquée. Très compliqué. Oui. On est là. On a plus rien où se planquer, ils ont que le sous-marin. On est là maintenant. T'en fais pas. Le QG là est indétectable. Hein. Oui. Personne n'en connaît l'existence à part nous et toi maintenant. Okay, comme parfait. Je t'ai dit, ça fait des années qu'on est ici. Ok, bon bah, je vais vous faire confiance à tous. Bon. Je pense que... Ok. Il en a peut-être assez vu. Repose-toi ici. Prends tes aises. Pas trop non plus. C'est quand même chez nous. Maintenant, mais... c'est chez lui aussi. Ouais. N'oublie pas, on sait bien que t'aimes pas trop partager, mais... faut c'est chez partager. Lui aussi, maintenant. Ouais, il faut... Mon équipe commence à vous chercher. Ouais. Ils ont dit des mecs en blanc. On a su rester discret jusqu'à présent, tu nous avais jamais. Ah, mais ne fais pas de soucis pour nous. Et les flashs sont très intelligents. Ouais. On l'est aussi. Pour réussir à te retrouver, sache qu'on a dû être très intelligent aussi. Arranger, ils ont bien dit. Ils ont touché à Jason, c'est fini. Va falloir qu'on soit discret. On va aller tranquille. Descends. Tu fais quoi là? Quoi, désolé. Allez les gars. Ah. Jason, t'es où? Jason. J'ai reçu une pause les gars, j'ai reçu une pause. Vas-y, on arrive. T'es où? T'es vers le nord? Je me dirige vers la pause, je suis à 4 km. Ah, j'ai touché à la jambe. J'arrive, Jason, je suis pas loin. Est-ce que t'es seul? T'es seul ou pas? J'arrive, j'ai la pause, j'arrive, je suis là. Je l'ai aussi. Viens, je te tiens, putain, je te tiens. Viens. Monte à l'intérieur. Putain, c'était qui ça? Il est avec moi, t'es où Nina? À 400 mètres là, j'y suis. Par contre, ils m'ont touché à la jambe. Il est touché à la jambe, vas-y, accélère, c'est toi ça? Continue. Va à un endroit tranquille, on va le faire. Ok. Je te suis, go. Qu'est-ce qui s'est passé, c'était qui? Je sais pas, c'était en blanc. Ok, attends, t'inquiète, tu vas m'expliquer tout ça après, d'accord? Ah, ok. Je vais les retrouver, moi. Est-ce que t'as un nom, prénom? Non, ils ont pas donné de nom. Est-ce que ils étaient habillés luxement ou c'est... ils te faisaient penser à un gang?
Je sais pas, tout semblant. Costume ou pas? Ouais, costume. Allez, je te tiens, je te tiens. Comment tu te partes? Comment tu te partes? Ok. Attends, je suis mal à la jambe. Lina, tu t'occupes d'elle et de lui parce qu'il est touché vraiment à la jambe. Ouais, regarde, viens, touché. Viens. Tu veux que je te porte, c'est bon? Tu peux? Ouais, si tu veux, si tu m'aides à avancer. Vas-y, on y va. Doucement, allez. Vas-y, assieds-toi. Merde, c'est juste derrière. Ok. Je m'en occupe, t'inquiète. J'ai ce qu'il faut dans mon sac. Putain, c'était qui, Je sais pas. Les gars, je vous envoie la poste pour venir sécuriser, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte ce que tu te souviens. Je sais pas, ils m'ont mis un truc sur la tête, je voyais rien. Et ils m'ont lâché comme ça, ils m'ont dit qu'ils veulent pas de mal, je sais pas, j'ai rien compris. Ouais, on arrive, on est à 3 km. Ok. Okay. Ah ouais, je vois l'impact. Ils te voulaient quoi, en fait? Rien du tout? Juste te faire chier, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, ils m'ont dit qu'ils voulaient pas de mal, mais... Mais pourquoi ils t'ont tiré dessus? Je sais pas, j'aimerais le savoir, ça. Nina, je te laisse t'occuper de lui, d'accord? Tu vas chercher après eux, c'est ça? Apparemment, ma soeur aussi, elle est en danger, là. D'accord, bon, fais attention. Johan veut me voir pour m'expliquer ce qui s'est passé. Donc je vais aller voir, et comme ça, je fais un débrief, d'accord? Fais attention. Bon, vous aussi, s'il vous plaît. Et retrouvez-moi ces fils de pute. Ouais, fais gaffe. Promis. Fais attention à toi. Est-ce qu'ils sont plusieurs? Ça va, Jason? Les gars, sécurisez la zone au cas où. Moi, j'y vais. Ouais. Je dois aller voir Johan, apparemment. Ma seule en danger. C'est blindé blanc. Ça va, t'as pas l'air d'avoir de début d'infection. Okay. Ça m'a l'air bon. Ouais, ils m'ont juste déraflé. Ouais. Ça devrait le faire avec ça. Tu vas juste avoir une méchante croûte et un peu mal. Mais ça va aller. Ouais, ça va passer. Ouais. Ok. C'est bon, tu peux te rhabiller. Ok. T'as eu une balle, Jason? Ouais. Ouais, il a eu une balle dans la jambe. Enfin, ça a frôlé, tu vois, mais il est quand même bien endommagé. Ok. Je l'ai mis en travers la voiture comme ça et tu pourras monter directement dedans. Tu t'es échappé ou comment ça se passe? Ils t'ont relâché? C'est eux qui m'ont lâché. Ils t'ont dit quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le pas, but? Ils m'ont mis un sac et... T'as mis un sac? Est-ce que tu dirais que vous êtes parti loin? Je pense pas. Est-ce que t'as pas reconnu la route un peu? Je sais pas, des tournants secs? Non, on était en hélico. Il était en hélico. Après, j'ai rien vu. Ah, ok. Faut trop poser là. Nous, chez le juge, quelque part. Enfin, faut enquêter. On devrait peut-être aller revoir, moi et Baldi. Tout était mais blanc, il avait des trucs armés blancs. Ils sont plusieurs. Ouais, je sais, mais nous, on était sur une montagne au sniper, tu vois. On était sur montagne. On va les retrouver, on va les démonter. On était vraiment cachés. On aurait dû enquêter là-bas, tu vois. Ça tombe, il serait retourné là-bas, les mecs, tu vois. Ouais, mais surtout, mettez-vous pas en danger. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont... Ils m'ont dit qu'ils voulaient pas de mal, mais... Ils m'ont tiré dessus. Ouais, ça, c'est pas logique. Ils m'ont éraflé. C'était quoi le but, en fait? De prendre et de tirer une balle et de relâcher? Quel sens, t'as pas posé de questions? Quoi? Des questions, ils t'ont pas posé des questions, je sais pas. Mais ils savaient que je sortais de cavale. Ah bon? Que j'étais recherché. C'est tout? Ouais. Mais c'est quoi ça? J'ai rien compris, pourquoi ils t'ont lâché comme ça, putain? Hein? Y'a aucun ouais, sens. C'est vrai. C'est les. Ils ont même pas demandé de sous, ils ont rien demandé. Ouais. C'est bizarre, hein. Vous savez, maintenant il faut se méfier tout le monde ici. Tu ne caches rien, hein, Jason. Non. Tu dormais vraiment pendant cette semaine, hein? T'as rien fait d'autre, hein? Non, je dormais, ouais. Tu peux me dire tout, hein? Si tu t'es foutu de merde, tu peux me dire, hein? Non, je comptais dans la merde, je vous l'aurais dit. Ok, t'inquiète. Merci à mon contact, c'est lui qui m'a envoyé où t'étais. Ouais. Ouais, c'est lui qui m'a envoyé. Comment il s'appelle encore? Ton contact? Liam. On y va, je commence à avoir mal à la jambe. Ouais. D'accord. Bah, quelque part où tu peux reposer? Ouais. Tranquille, c'est sous-marin pour toi. Je t'en prie. Moi, c'est pas laissé tant que ça passe. Ou sinon, on va au champ de cannabis. Ah, c'est bizarre, il attend un truc là, le juge. Pourquoi vous faites quoi là? Bah, on le snipe là. On est en train de regarder chez lui. Et là. Chez lui. Bah, c'est là en face, regarde. T'as un snipe ou pas? Prends un sniper. Non, j'en ai pas. Ah. Tiens, viens, dans ma voiture, il y en a. C'est quoi tout ça? Tous les véhicules là-bas? C'est blanc, c'est les blancs. Tout est blanc. Je suis avec toi. Il y a quelqu'un, il y a dans le grand rond, il y a une voiture qui tourne blanche, les gars. Dans le grand rond, regardez bien de temps en temps.
plus loin là. Il y a une voiture qui tourne, blanc. Au grand rond derrière sa maison. Putain. Ouais, je l'ai vu passer devant chez lui là. Ok, ok. C'est quoi l'hélico là? Je sais pas. C'est pas le même hélico que tu étais. Non, c'est pas le même hélico. Mais regarde, il a un véhicule blindé. J'entends les flics. Moi j'entends les flics aussi. Hein. On regarde toujours les alentours. Ouais, moi aussi. Mais y'a un mec là-bas. Putain. Où? C'est le juge. Oui, c'est le juge. Juge ça. En plein milieu de la marche. Comment tu sais, ça démarche? Regarde sa démarche, comment elle est bizarre. Putain, on peut mettre une balle à la tête là. Ah ouais, si je veux. Putain, ça me démange là. Ouais, mais on doit se calmer, on doit se calmer. Mais ils regarde, sont combien? Ils sont beaucoup là. Ouais, t'as vu sur les toits et tout, y en a plein. C'est qui tout ça? C'est des gars. Sur toi, y'a un mec, les gars, cachez-vous un peu. Hein. Non, mais y'a plein de mecs sur le toit. Mais y'en a plein. Ouais. Regarde, y'a encore une. Hein, je crois qu'il y en a qui nous visent. Y'a les flics en se barre. Flics, où est où les flics? Tu les as vus où? Bah, c'est pas les gyrophares? Bah, si, depuis tout à l'heure, mais c'est loin. C'est loin ça, parce qu'on est en sniper. Les gars, moi je vais stresser. Hein. S'il faut conduire avec les flics, moi je conduis pas. Oui, mais tu montes à l'unité. Jameson, tu sais bien conduire? Bah, je vais essayer avec ma jambe. T'inquiète, c'est une automatique. Vous inquiétez pas, les flics vont pas monter ici. Ils sont beaucoup. Quand t'as un hélico. Ils sont beaucoup. T'as vu le camion, il est bizarre, non? Le camion. Ils sont beaucoup là. Ouais, ils sont beaucoup, t'as vu? C'est sécurisé de ouf chez lui, c'est bizarre, non? Pourquoi c'est autant sécurisé chez lui? Regarde, y'en a partout, y'en a même sur les toits, j'en compte. Dans sa tête là, je pourrais tirer. Ouais, moi aussi, je compte 4 gars sur le toit, déjà. 1, 2, 3, 4. 4 gars. Y'a 2 gars à l'entrée. Non mais what the fuck, c'est quoi ce mec? Un juge qui se protège autant, c'est pas normal. What, il a sorti une hache? Il a sorti une hache? Ouais, il a sorti une hache. Comment ça, il a sorti une hache? Il a sorti une hache. Faisais gaffe, hein, j'entends un bruit hélico, mais je le vois pas. Il tape. Il tape, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans son hélico. Ouais. Y'a quelqu'un là-bas. Où? C'est qui? Attends, en face là. C'est Balt. Il m'a fait peur lui. Putain, faites gaffe les gars avec l'hélico, faites gaffe. C'est lui ou pas qui a montré dans l'hélico? Ouais, c'est lui. Regardez à votre droite, est-ce que vous avez... Il est au téléphone, c'était trop bizarre, il a sorti un truc de sa poche. Regardez sur votre droite, sur la montagne où je vise. Vous l'avez vu le mec qui est en train de viser là? Dites-moi si vous voyez comme moi là-bas. Ouais, moi je vois comme quoi? Toi. À droite là, en face de moi sur la montagne, j'ai l'impression qu'il y a un mec. À droite là. Ouais, y'a un mec qui vise. Qui est en train de nous viser, ouais. Je suis pas sûr. Ouais, là. Y'a un mec là qui est en train de viser. C'est qui ça? Il vise quoi? Non, il vise pas. Les gars, on va regarder. Non, il nous vise pas, nous, il vise. Il était pas là tout à l'heure, je suis sûr, j'ai vérifié. Ah bon? Ouais. Venez, on va voir. Faut aller voir. On va à pied, pas fait de bruit. Hein. Ouais, c'est bon, c'est loin, ouais. Il vise, hein. What? C'est un mec qui vise le sniper. Venez, on fait le tour. On va le choper par là-bas. Il est au sniper aussi. On le braque ou quoi? On le braque? Ouais, venez. Faites pas de bruit. Moi, j'appelle le monde devant le gouvernement. Faut passer par derrière. Bon, venez. Gars, y'a un 4x4 blanc sur le parking. Ouais, allez-y tranquille. Bouge pas. Oh, t'es qui là? T'es qui toi? Ton téléphone. Enlève ton casque, oh, enlève ton casque. Tranquille. Enlève ton casque. Vous faites quoi là? FBI. Vite, enlève ton casque. Enlève sinon j'enlève. Je regarde autour de sa personne. Je suis en train d'enlever. Je suis en train de détacher. Tranquille. Dépêche-toi. T'es qui toi? Rosa, enchanté. Tu fais partie du FBI? Non, attends, tout, c'est une couverture. Redis ton nom là? Comment? Redis ton prénom. Rose. Ah. Pourquoi vous la connaissez? Qu'est-ce que tu fais ici? À votre avis. Tu espionnes le juge? Pas ici. Nous? On fait la même chose que faire, nous. Bon, du coup, j'aimerais bien que vous répondiez à ma question. Laquelle? Vous faites quoi ici? À votre avis, qu'est-ce que je fais pointé en haut d'une montagne avec un sniper? Vous regardez le juge? Oui. Vous l'espionnez? Plus ou moins. Pourquoi? Vous savez quoi sur lui? Pourquoi? Vous savez quoi, ces hommes de main? Non, loin de là. Vous savez quoi sur le juge? Vous savez quoi? J'ai toutes les raisons du monde en tout cas. Et vous? Et vous êtes tout seul.
Et ouais, vous êtes tout seul là. Donc je peux reprendre ce que j'étais en train de faire? Ouais, tu peux reprendre. Tu nous as pas vu, ok? Très bien. C'est Rose ton nom, c'est ça? Rose, oui. Ouais, c'est bon les gars, allez on y va. J'ai quelque chose, Rose. Ouais, moi aussi. Au casino, c'est pas ça. T'es venu au casino, non? Pas vraiment. Ouais, si tu peux reprendre tes activités. Attends, quelqu'un... Je la connais. Quelqu'un qui va faire ça comme ça? Ouais. Mais non, on le laisse pas comme ça, wesh. Non, mais sauf que je la connais. Je la connais, elle est venue au casino. C'est la meuf qui est venue au casino. Ouais, mais on connaît rien d'elle. Bah non. Plein de gens qui viennent au casino. Mais apparemment, c'est une amie d'Aaron. Il l'a dit la dernière fois que c'était son amie Rose. Non. Une amie d'Aaron qui espionne le juge. C'est normal, toi. Bah non, mais qu'est-ce que je fais? Je contacte Aaron. Je dis qu'on a Rose, qu'on l'a vu espionner, un sniper. Je dis quoi? Regarde, elle s'en bat les couilles de notre gueule, regardez-la! Elle reprend ses activités, normal. Trop chou. Elle est trop chelou! Mais pourquoi porter la veste de la FBI si tu fais pas partie de la FBI? Non, mais moi, ça, j'y crois pas. Elle a un tour s'il y a. C'est pas ses hommes. Bah non, y'a personne. Elle doit pas travailler seule. C'est pas possible. Mais il nous aurait déjà tiré dessus quand on l'a braqué. Reconce. Déjà, je vois Nina d'ici alors que tout va bien. On fait quoi là, les gars? Y'a une voiture qui arrive, la gare, on se casse. On laisse. Elle a déjà appelé du renfort. Faut en parler à Aaron. Je vais l'appeler. Je vais lui dire qu'on a vu une meuf, on l'a braquée, et elle s'appelle Rose, si elle, il la connaît. Pour être sûr. Bon, faut qu'on parle sérieux là, Aaron. Et on va là-bas. On y va. Elle est où, Nina? Elle est là-bas. Pas de soucis. Bon, on était en train de observer le juge, hein? Tu sais ça? Ouais. Et à un moment, Jason, il a visé ailleurs et on est tombé sur une personne masquée qui visait chez le juge, pareil. Donc du coup, Jason, il a dit, bah venez, on y va, les gars. On a été voir, on l'a braqué et elle a enlevé son casque. C'était une fille. Elle avait un bouclier avec marqué FBI dessus. Ouais. Et cette fille, je lui ai demandé comment elle s'appelait. Elle m'a dit Rose. Et... Non, elle t'a d'abord dit un autre prénom. Ouais, elle m'a dit Rosa. Et je lui ai dit comment? Elle m'a dit Rose. Sauf que toi, tu nous avais parlé d'une Rosa. Une amie d'enfance, je sais plus quoi. Et je sais pas si tu... Je sais pas, hein, y en a plein de Rosa, mais c'est si c'est elle, je suis quasiment sûr qu'elle fait partie du FBI. Elle avait un bouclier, tu vois. Enfin, elle avait un gilet pare-balles. Non, mais je la connais. Elle tombe pas dans des débats comme ça, quand même. Ben, moi, je te dis de faire attention. C'est juste pour toi, tu vois. Mais est-ce que son visage, etc. Son visage, en fait, il m'a rappelé. C'est pour ça que je voulais t'en parler, tu vois. Parce que son visage, c'est le même que j'ai vu au casino. Ok. Et il faut que tu fasses attention. Il faut vraiment que tu saches si elle fait partie du FBI. Je vais essayer de me renseigner. Ok. Mais je pense pas. Mais je vais me renseigner. Ce serait con que ta meilleure amie essaye de te faire tomber. Ouais. Non, ça serait con. Attends, donc vous êtes en train de me dire que la FBI. La FBI traque le juge aussi. Enquête sur le juge. Ouais. Il est enquête. Voilà. Ok. Enfin, elle était toute seule de ce qu'on a vu. Hein. Ouais, et ce qui m'a paru bizarre, c'est qu'elle était toute seule. Pour une personne du FBI, c'est bizarre d'être toute seule. Ouais. Bon, après il y a l'hélico apparemment de FBI qui s'est ramené et on s'est. Oh, t'as plus de moyens de communication, t'as d'accord. plus rien, ok? Oui, d'accord. Bouge pas. Oui. Debout, debout. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fous? Bah, rien. Qu'est-ce que tu fous? Viens, on va à l'arrière, on va à l'arrière. Rien, rien. Je me balade, c'est tout. Donne-moi ton nom. Nom, prénom. Tonio, comment? Catrio. Ok. Qu'est-ce que tu fous ici? Bah rien, je me balade. Bah bizarre que tu te balades ici, hein. Bah pourquoi? Putain, je dégueule ça. Bah étrange. Et tu disais quoi à ta radio là? Bah je sais pas, une voiture comme ça abandonnée. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle est abandonnée en fait? Bah je sais pas, y'a personne dedans. Par contre, arrête de prendre ton érotin avec nous parce que t'as un peu un gun sur la tempe, donc calme-toi, je te dis, tu redescends. Ouais, ça va vite aller là. Les voitures sont garées partout, hein, y'a aucune voiture qui est abandonnée, c'est parce qu'il y a pas quelqu'un dedans que voilà, que c'est abandonné. Bon, maintenant tu vas dégager d'ici, ok? Je vais plus te revoir, ok? Oh! Oui!
Et il est sérieux, il a 4 guns braqués sur sa gueule, un sur sa tente et le... Allez, bouge. Sors d'ici. Moi je pense qu'il avait peur. Mais quel trou du cul. Je pense qu'il avait peur. Venez, on change d'endroit. Il a eu trop d'effets, lui. Vas-y, sors 4-4.